Et bien bonjour à tous et dessus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Life is Strange 2, partie 2, épisode 4, j'ai dit dans le mauvais sens, mais ça fonctionne. On y va, on s'était laissé, et j'espère que ça va reprendre normalement, j'ai pas tourné à la suite en fait. Foi aveugle. Ok. Ah, elle m'avait manqué cette musique, je sais pas vous, mais elle me manquait, je l'ai eu la dernière fois, l'épisode d'avant, et je l'ai zappé parce que j'ai pas remarqué, mais... Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. J'espère que ça va reprendre au bon moment. Vous avez remarqué, si vous avez suivi, si vous suivez plusieurs let's play, même si ça m'étonnerait que vous suivez plusieurs let's play de même jeu, que j'ai une partie de cinématique à sauter au début de la vidéo, comme je l'ai dit juste après, j'ai dit qu'il y avait un petit bug, j'ai pas dit quoi. Bon, au montage, j'avais fait pour que ça se voit pas trop. Mais ça se voit quand même, parce qu'il manque 5 ou 6 secondes d'une cinématique, ce qui est énorme. Je force expérience, tout simplement. C'est un truc pratique, comme le logiciel pour filmer, mais qu'est-ce que c'est bugué. Bref. Okay. Time to clear off now. This whole hospital is so quiet. So don't make any noise. Okay. Find a way to get the hell out of here. On avait fait le lit, on avait pas fait le lit, on avait regardé sous le lit. Il n'y avait rien. On va essayer de... Joey's the only one who helped me get through this shit. Prends un stylo, peut-être te servir un jour ou l'autre. Est-ce qu'on la regarde cette carte? Yeah. Thanks for the card, agent. Can't wait to text you. Donc en plus maintenant que tu l'as dit d'aller se faire foutre. Maybe I could rig a decoy Sean in the bed. Il a donc mis l'équivalent de 3 draps dans sa poche arrière. That looks so fake. But it might work for a second. Le rideau qu'on va fermer, il n'y a rien à prendre là. Wish I could just walk out. Sweet dreams, my friend. Maybe I can trick him. Say I need an aspirin or something. They've been working on these rooms forever. So fucking loud. My backpack has got to be somewhere around here. J'ai pas envie de lui demander des médicaments parce que bah tant qu'il est pas sur ses Gay, ça se dit comme je sais pas. Let's see. I just gotta get past that locked door and an angry guard. Moi je sortirai par la fenêtre, je crois. Bon après moi je sais pas si j'arrive à sortir par la fenêtre, mais on est ici nous. Ici on a l'évacuation, donc on pourrait sortir par ici pour aller directement vers l'escalier d'évacuation. Ici on a là notre fenêtre. Attendez. Ouais, là il est là le plan. Donc notre fenêtre elle est juste là, c'est ça. Et donc sinon on a où? On a la sortie d'urgence qui est ici aussi. Donc il y en a deux, une là et une là. Trois, pardon. Donc la première, le plus rapide ça serait d'aller par là. Mais sinon on aurait par là. On a des extincteurs pour se battre. Au pire on en a trois. À mon avis on aura besoin de rien du tout. Hein. This one isn't screwed in. I could pull it off, but it's gonna be loud. Yeah, that metal bar isn't going anywhere. Tout ça à cause de Daniel. Et je l'aime pas ce Daniel.
Non, non. Putain, je voulais examiner. Need a superhero to open that shit. Hope my last view of this world isn't this window. One stupid car. And I'm out of here. It's dead tonight. Works for me. Est-ce que le la vision à gauche est troublée parce qu'il y a la fenêtre ou c'est pour l'œil? Je pense que c'est pour l'œil. I could slip into one of those rooms under construction. Oui, c'était l'une de mes pensées. Je suis plutôt fluide sur le jeu, par contre mon PC est en train de souffrir, je l'entends souffler. Je sais pas si vous l'entendez, généralement je coupe quand même pas mal au montage, mais bon. Bon bah j'imagine qu'il n'y a pas trop le choix. Can I have some privacy, please? Tout ce que tu peux faire, tu peux pas le déplier plus ton rideau? Pourquoi je l'ai déplié par contre? Aucune idée. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas allumer la télé pour que ça fasse du bruit et pour éviter qu'on entende qu'on arrache la barre de la salle de bain? Ok, the guard is sleeping. This is your big chance, dude. Joey could probably distract the guard dog. Non. J'ai pas envie de le mêler à ça, lui. Qu'il ait son boulot, qu'il se fasse tranquillement ce qu'il veut. On tente le garde, parce que moi il dort, enfin... Ah, la porte est fermée aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On arrache... Oh, non, qu'on retourne comme ça. On arrache la fucking barre de la salle de... Ouais, mais ça va le réveiller. Et là, il va se demander quoi? Je sais pas. On va tenter sans. Au pire, on le pousse. Je sais pas, ça me stresse. Je suis stressé pour lui alors que c'est juste un jeu là, calme-toi. On tente la barre, hein, non? Je fais un dernier petit tour pour voir s'il y a rien. On a le stylo puis on lui plante un stylo dans le cou, je sais pas. On lui arrache un oeil, c'est bon. J'avais pour lui dans le volant. I could get Joey to help me. Non, pas jouer. He get busted. Oui, voilà, moi j'ai pas envie que Joey ait des ennuis. T'en as pas assez donné à tes copains, même si c'était pas de ta faute. On tente les médicaments. De toute façon, on a rien d'autre à foutre, on peut pas sortir. C'est normal, enfin il faudrait prendre la barre je pense parce que c'est un truc. On va quand même prendre la barre. Tant pis, écoutez, nique sa mère. Il fait ça silencieusement un minimum. L'autre il dort de toute façon. Ferme la porte. Close the door. Faut allumer la lumière peut-être. Tu peux pas close la door là? Genre vraiment? Ok. Bon. Let's do it. Faut faire quoi? Ah pardon. Garde, cache-la. Ouais, non, ta poche arrière, fonctionne très bien. Nice job, Sean. Now the guard is awake and pissed off. C'est un garde, il va pas se faire avoir. Hein. Il a maintenant qu'il est réveillé. Fait qu'on attend qu'il. I could trick him into coming in here and then knock him out. Ça va mal finir. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Ça va jusqu'à mal finir. Qu'est-ce que je ferais en vrai? Parce que maintenant que. Bon allez, de toute façon, on va tenter. Moi, je serais vraiment pas pour faire ça, en vrai. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre issue, quoi. La fenêtre... Ah non, attendez. Je peux pas péter la fenêtre avec son putain de truc et s'enfuir en courant? Éclair de génie. Éclair de génie. On a fait le rideau, en plus. On peut pas le fermer plus. Tendre une embuscade. On peut aussi tendre une embuscade. Fenêtre, péter la fenêtre. Casser le loquet. The windows are secured. Deux fois, il me dit tendre une embuscade, mais moi, j'aimerais ne pas faire de mal à l'autre connard. Notre connard qui dit.
Allez, on tente. Oh, tant pis, écoutez, au pire je me bats, je fous une baston dans sa gueule. Franchement, je peux pas, si je perds mon deuxième œil, tant pis. Hein. Ça va faire de bruit, là, le garde, il va venir. Hein. C'est 100% sûr. Vous entendez ma souris, je suis désolé. Le garde va venir. Allez, on sort, on sort, on sort. Arrête de regarder, on sort. Tu te mets sur la petite marche là et tu vas jusqu'aux travaux. Sortir. This is Gracie, dude. Don't freak out. Just get out. Oh, je stresse, il va tomber. Il va tellement se casser un truc. Pourquoi j'ai pas le choix? Je dois rentrer? C'est de la merde. Mais non, mais va jusqu'à la salle. Ah d'accord, pardon. Tant pour moi. Don't think. Just keep going. Ça craint tellement ce que je fais. Je fais de la merde, hein, je suis désolé. Hein. Shit. Ouais, fais gaffe à pas tomber. Take a breath, dude. Oui, respire un peu. J'ai peur. Ah oui, je vous ai pas. Ouais, non, c'est pas grave. Way too close. Oh, ça fait du bruit ça. Hein. C'est un point de dépit, cette patient. Un petit peu de. Hein. T'es pas discret en plus avec tes vêtements d'hôpital là. Time to get my shit from the staff room. Il ressemble trop au beau-père de Chloé. Ah non. Un petit peu, je crois que c'est la moustache. Ok. The guard is sleeping. This is your big chance, dude. Il va croiser Joey. Oh, on va croiser Joey, 100%. Il a zéro peur. Hein. Moi, je me serais barré, mais tellement. J'ai trop peur. Heureusement que c'était pas une scène jouable parce que j'aurais trop peur. La flûte faite. Tu peux pas être un peu plus discret, franchement, Sean? That's Finn. No way. Non, on vient de le dénoncer, casse-toi. Casse-toi, casse-toi, on l'a dénoncé. Non, on s'enfuit, hop, il dégage. Oui, voilà, c'est bon quoi, au bout d'un moment. Oh, il va pas être content le petit par contre, on va le retrouver, qu'on lui dit qu'on a laissé Finn en... Non, j'ai clairement aucune envie de... Finn, non, c'est mort quoi. On est là, un peu de sa faute, il se démerde chacun, en plus on l'a dénoncé l'épisode d'avant. Alors il dégage, hein. J'ai aucune... Et j'ai une sale gueule, hein. Mais je m'en fous, clairement. Tu peux pas juste courir? Je sais pas, genre courir. On voit la voiture de Joey, je sens. Je sais pas ce que j'ai avec lui, hein, faut que je me calme. Là, c'est vrai qu'il était mécano, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il fait? Comment saute-t-il? Allez, on s'en va.
On va devoir passer à un portillon, non? Un portique? Non? Ok, oh, ça me va. L'hôpital de la... Comment dire, de l'espoir sacré. Bah je suis content de moi, on a fait ça sans blesser personne. On a juste volé une voiture. En soi, c'est pas si terrible que ça. On passe de premier épisode. On fait pas de bêtises, hein. Ah, maintenant, oh, il a juste volé une voiture. Donc on va à Nevada normalement. Oh là! Garde-toi sur le côté. T'as qu'un œil en plus. Peut-être temps de faire une pause, chaîne. Regarde devant toi. C'est pas vrai. Je suis pire qu'un daron. Bon, du coup on est au Nevada. T'es quoi, des signes de fumée ou du vent? Oh, il la refume, c'est pas vrai. Pour une bière, tant qu'il y est. Par contre, on a encore de l'essence, sa voiture? Elle tient pas mal. Guess this is my room for the night. Shit. I'll never hold until Haven Point. C'est pas ce que je pensais. On va devoir continuer à pied, c'est ce qu'on voyait dans le trailer.
All right. Careful. Man. I should have listened to Joey. T'as oublié de His mettre SMS. le sérum physiologique pour nettoyer, puis après tu nettoies avec le contre-tige avec une bonne couche et tu remets un petit pansement. Moi j'ai goûté monsieur, j'ai fait mes leçons. Alors est-ce qu'on vient pas de voler la voiture de l'agent Flores? She seems nice. Sorry I stole your car, guys. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. C'est qui? Faire absolument oui, mais 8h45 déposer les gosses, 10h examen à l'hôpital, midi déjeuner avec Marie chérie, 14h radio prise de sang Madame Scott, 15h30 récupérer les gosses, 17h garde de nuit. Ouais, on a niqué sa journée. Et j'ai aucun remords. Regardez. Come on. Did you interview everyone in that hospital Ah or what? putain, elle a donné une carte à tout le monde. Guess I'm kind of lucky I stole a smoker's car. Non, c'est quoi là? Caisse, regardez. Câble. What a mess. Flores can now add Grand Theft Auto to my file. Je l'avais dit. Hein. Bon, la carpette, non. Okay. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. On est là. Nous, on a fait hospital. On a fait hop, hop. Hop, et là, on est là. Donc il nous reste à faire bim en fait, c'est ça. Donc on a, il a plus grand chose à faire, ça va. D'accord, je vois nickel. Ok, faut que j'apprenne à plus lire ce qui, les actions qu'il propose. Ton siège en arrière peut-être? Moi je pourrais pas dormir dans une voiture comme ça, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui m'observe. C'est un Still rêve. with me, Sean? Yeah. Just zoning out. Just don't do that when you're driving, my son. So, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got Ford Hot Wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. You don't even bullshit me when you need cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely papito, huh? Oh, please. You're the coolest dad. How could I be bummed? Excuse me. Where's my regular, emotionless son? I appreciate it. Think we can hang out for 5 days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. So do I. Been too long since we went padre y hijo against the road. Way too long. Il est où le dernier là? I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk. What's going on with that gin, huh? Well, not much to talk about. That was like pulling teeth. Well, I've got a week to find out the truth. I
I just want to try out new stuff. I mean, figure out what I like, what I want, you know? Yeah, I get it. You're young, you've got time to settle down. Maybe you will. Eventually. Ah, could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Nah, he's an angel. We went to the swimming pool, and now we're making popcorn for movie night. Yes, it's so cool. Hey, Sean, don't crash the car. He's driving real slow and safe, like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. When you have time. Oh, sounds like someone is still thinking about you. Yeah. Ça arrête de ce qu'ils seraient en train de faire si c'est pas AVS qui arrive. How are you really doing? Je pense que son père lui manque, la maison lui manque, c'est sûr. Mais le plus important, c'est qu'il a changé. Mais vraiment. Puis surtout qu'il est plus avec Daniel là. I'm so different now. I don't even recognize myself. Because you've changed. It's like evolution. I know it hurts. Big time. Guess I wasn't ready to change. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to roam and find your way home. God. I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Oh, by the way... Hey, wake up! Huh? Huh? What? La police. Yeah, what the fuck are you doing on our property? Huh? Oh, man, I crashed hard. Oh, yeah? Come on out, boy. Who the fuck is that? A fucking kid. Get out. Look, I'm leaving, okay? No, you ain't. Step out or I'll call the cops. You don't want that boy. Okay, okay. I'm coming. Hold on. Good. Now we can see you. So tell us what the fuck you're doing on our land. I just... I got lost, man. I wasn't sure where I was, so I pulled over. I swear, I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? I... was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid, and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? Ah! Move it. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Please. I just want to go. Ho ho. What's this? Drugs? Yeah, for my eye. Oh yeah. Did you steal them? Like this car? Listen, it's not what you think. Oh, I think it is. You ain't the first beaner we caught. Oh, it's probably... Take his backpack. Dude, come on. Get it. Let's see what he's holding. So? Nothing good. Any money? Fucking toys, man. You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother! Leave it alone! Ah... Je sais pas. En soi, le repentir, ça va foutre la merde s'ils vont se battre.
et ne rien faire, on est en face quand même à deux gros racistes, donc je sais pas vraiment si ça vaut le coup de se laisser faire. Vous entendez le micro grincer, étant donné que quoi que je fasse, ils ne m'aiment pas, ils ne m'aimeront pas. Encore une fois, je trouve que c'est pas un choix si compliqué que ça. C'est juste que vu qu'ils nous le mettent en choix compliqué, ça le donne compliqué, parce que du coup on sait pas trop ce qui va se passer derrière. Mais pour un jeu, franchement, écoute, il va se passer de ses jeux, hein, déjà qu'il a, il nous a fait perdre, c'est bon. C'est bon, moi je fais rien. Your brother? Where is he now? Well, I'm going to meet him. In a stolen car? More lies. Okay, Chad. We fucked with him. Hey. Let him go. He's got nothing. Hold on a sec, Mike. You speak Spanish, Pedro? Huh? What? What? Hablas español. Chad. So, Professor, how do you say, I'm a dirty thief? Oh, you don't want to share your language? Okay. Maybe you know this one. I'm a dirty thief with one eye. Soy un ladrón y chinga tu madre. Wait, madre? What did you really say, asshole? Huh? All I want to do is learn Espanol. Might be our official language someday, right? Si, señor? So, one more lesson. How do you say, this is not my country? I don't know. Told you. Well, that's the only one you should know, boy. Learn it. Look, Chad, it's gonna rain. Let's go before we get soaked. Hold on. This little thief is fucking with me. You're really pissing me off, you know that? But I'm willing to give you one last chance to make things right. Sing something. What? Just pass the audition and you're free. We'll be very upset if you refuse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, on est en train de choisir entre sa dignité ou pas? Mais je sais pas à quel point c'est une pauvre petite tâche le mec qui est en face, je sais pas moi, mais genre chanter, tu qui chante quoi, le pauvre jeune, donne lui une guitare et un ukulélé aussi, enfin je sais pas, tranquille, laisse pour rentrer chez moi, fils de pute, pardon, j'ai craqué, c'est un jeu Peggy 16 ou 18 je crois, alors laissez-moi tranquille, j'ai le droit de dire des gros mots si tu veux. Oui, je sais comment valider mon choix. Qu'est-ce que vous feriez quoi à ma place? Dites-le en commentaire, parce que moi là, je sais en fait, je sais pas. Qu'est-ce que, franchement, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vraiment pas envie de chanter en vrai, parce que bah, mais en vrai, enfin, qu'on parte quoi. J'ai pas envie de chanter en même temps, sinon ça va foutre les merdes, il va casser les couilles, il va pleuvoir, on va se prendre la drache, on va perdre nos médicaments, enfin ça va être le bordel. Donc je vais faire chanter pour éviter qu'il nous casse les couilles. Ah mais si on chante, tu vas dire, oh, regarde, il sait parler espagnol, il se fout d'une langue. Oh là là, que ça m'énerve les racistes. Je suis énervé pour rien d'un jeu. Bon, on va faire chanter, on fait chanter. Je pense que Walking Dead dans son écran est en train de shaking. Parce que je pense que lui, il aurait mis refusé. Estrellita, donde estás? Me pregunto que serás. En el cielo y en el mar, un diamante de Jeez, verdad. Enough! Let the boy finish his song. Go on. Go on. Estrellita, ¿dónde estás? C'est une berceuse. C'est ce qu'il chantait à Daniel, je pense. Que serás. Cuando el sol se ha ido ya. Cuando nada brilla más, tú nos muestras tu brillar, brillas, brillas sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto,
can't sit us. Well, damn! I think you just won Mexican Idol. Now pick up all your shit and get the fuck out. Don't ever come back. Understand? On est égal, lui. Hein. Allez, on se casse. Qu'on en finisse. Et roule leur dessus en partant. Putain, il leur a pas roulé dessus. So the Wolf brothers were split apart. The oldest wolf was badly hurt, but nothing could stop the wolf from following his brother's tracks. Tu devrais te couvrir quand même. Pour éviter les coups de soleil et l'insolation, monsieur. Je crois qu'on va s'arrêter là. Okay. Still a few hours away from Haven Point. Almost there. Ouais, on va s'arrêter là. Avec notre Sean qui est en mauvais état. Il a un maillot. Il y a quelqu'un qui a un maillot ou il y a quelqu'un qui a dessus. Qui a un maillot qui a quelqu'un qui a dessus d'ailleurs. Ce serait peut-être une mise en abîme. Shit, I need a break. Might be some shade at the next billboard. Oui. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Mettez-moi dans les commentaires. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé, mais mettez les choix que vous auriez fait vous. À ma place dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à partager le contenu des créateurs si vous les aimez. Il a vraiment l'air d'avoir mal. Ouais, oui, il a l'air d'avoir mal. Partagez le contenu des créateurs, comme ça qu'on les fait avancer. On se dit à la prochaine, allez, ciao.